tout le monde, c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de rangement organisation. J'ai posté la semaine dernière une vidéo dans laquelle j'ai rangé tous mes diamants AB ronds et là du coup ce sont les carrés. Je savais pas si je voulais tout mettre dans une vidéo mais finalement j'ai décidé de le faire en deux vidéos. Donc si vous souhaitez aller voir la première vidéo, je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran et aussi en barre d'infos. Et c'est ça, ça c'est la deuxième partie, donc c'est tous les diamants carrés qui sont là-dedans. Donc on va tout organiser dans ce classeur par couleur. Et si jamais j'ai des AB qui n'ont pas de DMC, on va essayer de les agencer. Donc ouais, il y a un peu de tout là-dedans, mais ce sont que des diamants carrés. J'ai un classeur tout nouveau que j'avais commandé sur Amazon. Et c'était je crois que c'était un pack en fait avec 4 classeurs, donc je pourrais vous mettre le lien aussi en barre d'infos si vous souhaitez aller les acheter. Il y avait un classeur donc violet, celui-là, un vert, un rouge et un bleu. Je voulais des couleurs et ces pochettes là que vous voyez comme c'est, je crois qu'on le voit bien à la caméra, c'est délimité en petites cases. Ça je l'ai acheté au Dollarama ici au Canada. Je crois qu'ils en vendent sur Amazon aussi. Et pour les gens qui sont en France par exemple, ben, peut-être regarder sur Amazon ou dans les magasins de loisirs créatifs. Mais ça fonctionne bien pour ranger ce type de diamant. Vous voyez, ça entre bien dans une case là. Donc voilà, tous les diamants sont là. On va aller par couleur, par type de couleur. Et j'ai imprimé, je crois que j'avais fait ça avec vous dans la première vidéo, sur le site de DP with Sparklers, ben plutôt sur sa page Facebook, dans les fichiers en fait. Vous pouvez trouver les Square AB Jewels. Elle l'a mis à jour, quand ça, le 22 mars 2022. Donc voilà, il y a tous les DMC, je pense qu'elle propose en AB. Donc encore une fois, ça c'est pas quelque chose que je peux partager en barre d'infos parce que ce n'est pas un fichier qui m'appartient. C'est un fichier qu'elle a créé elle. Donc je vous mettrai le lien vers le groupe DP with Sparklers si vous souhaitez vous joindre à son groupe et télécharger cette fiche. Donc ça va du 152 au 5200. Bon, je pense pas qu'il y ait tous les DMC hein, qui existent dans le DP, mais les DMC qui existent en AB. Elle a même mis des jelly là, vous voyez. Jelly 208, 307, 603. Donc voilà, en même temps, on va voir. Je vais garder ça à jour. Donc il me faut un stylo. J'ai oublié de prendre un stylo. Et c'est ça, je vais noter au fur et à mesure que j'ai les AB qui s'y correspondent. Et comme je vous l'ai dit, ça se pourrait qu'il y ait certains AB pour lesquels je n'ai pas de code DMC. Vous voyez, 137. Ça, c'est de Diamond Art Club. Donc j'ai un fichier sur l'ordi. D'ailleurs, il faudrait que je le récupère peut-être. Qui donne les équivalences de ce code-là au code DMC. Vous voyez par exemple le 137 d'après le document de Diamond Art Club, c'est du 995. Donc ça encore une fois, ce n'est pas un fichier que j'ai créé. Donc je ne peux pas le partager en barre d'infos sous la vidéo. C'est un fichier qui est disponible sur le groupe VIP de Diamond Art Club. Donc je vous mettrai le lien vers le groupe VIP. Si vous souhaitez, allez le télécharger. Ok, ben on attaque. Alors, on va aller, comme je l'ai dit, par type de couleur. Je vois qu'il y a beaucoup de bleu, là. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par le bleu. Je vais tous les sortir. J'en ai pas mal, des carrés aussi. Hein. Je pense que j'ai plus de carrés que de ronds. Est-ce que c'est tout ce que j'ai en carré? Là, je vois beaucoup de violet. En carré, en bleu. Ça se pourrait que je ne les vois pas tous. Je pense que c'est tout ce que j'ai en bleu. Et je ne les range pas par ordre DMC. Hein. Pas forcément. Donc, 3841, j'en ai qu'un. Alors, 3841, il est là. Mais en revanche, ça va être par type de couleur. Ça, oui. 995, alors attendez, 137, on a dit que c'était quoi? D'après le fichier, c'est du 995. Alors apparemment, c'est celui-là, mais est-ce que c'est le même bain? Pas tout à fait. Moi, il me faudrait de la lumière, là. Ouais. Vous allez avoir un petit reflet
Sauf si j'ouvre les rideaux. Non, en ouvrant les rideaux, ça fonctionne pas. Ça vous fait une espèce de bande là, en plein milieu de l'écran. Plus lumineuse, c'est pas très beau. Mais du coup, ouais, vous avez juste un petit reflet là, donc c'est pas grave. Donc ouais, ces deux là, ce sont du 995. Mais ce sont deux différents bains. Donc encore une fois, si ce sont des bains différents, je les garde séparément. Donc là, je marque 995. Comme ça, j'ai le code DMC aussi. Et on l'a sur cette fiche. Donc c'est ça, en même temps, ça me permet de faire un tri, d'organiser si on a des mêmes bains, ben de combiner. 3, 8, 4, 6, ça c'est pareil, mais les sachets sont pas mal pleins, donc je peux pas combiner. Donc 3, 8, 4, 6, il est là. J'ai du 9, 9, 6. Et du 820. Comme ça, moi, du coup, quand je vais vouloir commander des AB, juste en regardant cette fiche, je vais savoir si je l'ai en stock ou pas. Donc, ça va être plus rapide. Voilà, le bleu est fait. Et vous voyez, je passe à une autre feuille. Comme ça, si je commande d'autres bleus, d'autres AB qui sont bleus, eh bien, ça va aller là, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Je vois du orange, là. Donc, on pourrait faire orange. Je vais juste les mettre là. Vous voyez, 133. Ça, ça doit venir de Damien Art Club aussi. Je vois de l'orange qui est là et là. Il y en a là. Est-ce que c'est orange ça? Ou est-ce que je vais le mettre avec le jaune? Je crois que je vais le mettre avec l'orange. Je crois que c'est tout en orange. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? On a deux paquets de 740, mais ben, ça va rester séparément parce que vous voyez, fin, les sachets sont pas mal pleins. 742 aussi, on a deux paquets, mais les sachets sont pas mal pleins, donc ça va rester comme ça. Et on a le 743 qui est juste là. Et le 133, alors d'après le fichier de Diamond Art Club, c'est du 947. Je vais le mettre en tout petit ici. Ben, en tout petit. 947, comme ça. Donc, je vais peut-être mettre mes X là. Donc, 740, j'en ai. 947, j'en ai. 742. Et le 743. Super. Donc ouais, pour moi, c'est un système qui fonctionne, ça. Du coup, j'ai un classeur pour le carré et un classeur pour le rond. J'ai un classeur pour mes strass ronds. J'ai un autre classeur pour mes strass carrés. Et je compte faire pour mes diamants de taille, de forme spéciale, un autre classeur. Donc au total, je vais avoir combien de classeurs? 5 classeurs. Ouais, 5 classeurs. Donc voilà, ça c'est fait. Encore une fois, je laisse ça vide. Si j'en commande plus. Ensuite, alors, le violet. On a plusieurs violets là. On a du deux, ah, j'ai deux paquets de 208. 210. 550. 209. 550, j'en ai beaucoup. Hein. Ouais, j'ai tout ça en 550. Ça, c'est du violet foncé. 154. Encore. Et je pense que c'est tout pour le violet. Ouais, c'est tout. Donc 208. J'ai deux sacs qui sont pas mal pleins. 154. Celui-là, il est plein. Celui-là, il est moins plein. Donc on va les laisser comme ça. On va pas combiner. 550, j'ai tout ça. J'ai du 909. Du 209, pardon, et du 210. Voilà tout ce que j'ai en AB. Pour le violet. Donc 208.
Ça risque d'être une vidéo plus courte, ça. 154, parce que la première vidéo était plus longue parce que j'ai vraiment trié les ronds et les carrés que j'avais tout ensemble, je m'en rappelle. Et du coup, ça a pris un peu plus de temps parce que je triais avec vous en vidéo. Mais ouais. 210. X. 209. Juste là. Et le 550. Il est là. Et j'en ai en grande quantité de ça. Mais c'est cool. J'en ai plein pour faire des substitutions. Voilà. Le violet est fait. C'est ça que je dis, on risque de finir dans 20 minutes là. Une vidéo plus courte. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai du bleu. Ah, le bleu, on l'a pas fait tout à l'heure. Mince, mon stylo est tombé par terre. Ouais, le blanc, on l'a fait tout à l'heure. On va revenir ici. On va mettre ce bleu-là. Et il va falloir que je mette un X. Alors ça, c'est du 775. Il est là. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vois qu'on a pas mal de roses aussi. Donc, on a tout ça. Ça, c'est du rouge. Rose, rose. 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 Ah ouais, j'en ai pas mal, hein. Ça. Ça. Et... Ouais, ça, c'est presque violet, ça, en fait. Bon, je vais le mettre avec le rose. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a pour le rose. Alors là, j'ai déjà mis le DMC, vous voyez. Avec Diamond Art Club, le 126, ça correspond au DMC 211. Est-ce que j'ai d'autres 211? Non, on ne dirait pas. Hein. Donc ça va être 1 605. J'en ai qu'un. J'en ai qu'un. 602, j'en ai pas mal. Hein. J'ai tout ça. Mais celui-là, il est pas mal plein. Je pense pas que ça va rentrer là-dedans. Et de toute manière, ce sont deux bains différents. Je pense que vous le voyez à la caméra, hein, que c'est pas tout à fait pareil. Donc, une autre pile juste là. 3806, c'est le seul sac. 603, Jelly, regardez comme c'est trop beau, ça. Ouais, ils sont magnifiques. C'est le seul que j'ai. 963 aussi. Je fais des petites piles, là, si jamais il y a des MC identiques. Parce qu'il me semble que j'ai vu. Ah, 963. Ok, j'en ai deux, mais regardez comme c'est totalement différent. C'est pas du tout pareil. Ça, c'est plus beige. Pourtant, c'est le même DMC. Donc, on va les garder dans des sacs différents. 818. J'ai qu'un sac. Et le 152. Bah, le 152, j'ai qu'un sac. Ok. Alors, 152. Ensuite, j'ai du 603. Donc, ouais, on va faire toute une série de vidéos. Hein. Ensuite, on va faire les strass. Hein. Mais les strass, j'en ai une tonne. Donc, je risque de faire plusieurs vidéos de strass. 818. Mais les revues vont tout le temps prendre priorité. C'est-à-dire que si j'ai une revue pour la semaine, je vais vous mettre la revue en fait. Et ça, quand j'ai pas de revue à faire. 211. Et ça, c'est cool. Quand j'ai un petit peu moins de contenu pour la chaîne, ben, on va faire de l'organisation. Et moi, ça va me motiver pour... ça va me motiver pour tout ranger. Ça, c'est du 3806 parce que c'est la panique avec les strass. Aïe, aïe, aïe. 963, il est là. Là. Là, comme ça. Du coup, là, on passe à une autre feuille. Ouais.
Je crois que le rose, c'est ce que j'ai en couleur principale pour les carrés. Ensuite, j'ai du 605 et du 600. Alors, 600 et 605. Super. Voilà, le rose est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de verres. Alors, un verre 701. Ça, il va me falloir le code DMC pour le 135. Donc, pas mal de 701 là aussi. Hein. Ça, vous voyez, j'ai pas de code. On pourrait essayer de l'agencer avec un de ces DMC que j'ai, si j'y arrive. Ouais, en verre, j'en ai pas mal. Hein. Ah, j'entends mon mari qui monte. Ça, c'est du blanc cassé. Qu'est-ce que c'est, ça, comme couleur? Ah, c'est du gris, ça. Ah, je vois notre bleu. Ah, ok, c'est pas grave, on le fera tout à l'heure. Ok, en vert, j'ai tout ça. J'en ai pas mal. 701. Encore une fois, les sacs sont bien pleins. Mais je me demande si ça, ça passerait pas là. Mais ensuite, j'ai peur que ça glisse. Donc, 701, on a deux sacs. 904, on a un sac. C'est joli, ça. C'est plus foncé. 647, 704, 907. Alors, là, on arrive au 135. Donc, je vais regarder dans le fichier de Diamond Art Club. Le 135, c'est du 3819. Et là, j'en ai pas. Et le 130... Ben, j'en ai pas là-dedans, là. Et le 134, c'est du 906. C'est ça? Ouais, 906. Et ensuite, vous voyez, j'ai celui-là qui n'a pas de, de code. Mais j'ai pas l'impression d'avoir... quelque chose qui s'y correspond. Non. Donc, celui-là va rester sans code jusqu'à ce que j'arrive à l'agencer, en fait. Je ne sais même pas d'où il provient. C'est bizarre que j'ai pas mis d'étiquette, mais regardez, c'est comme ça. Ben, c'est le premier que je vais mettre, du coup. Ensuite, j'ai du 906. 906, il est là. Il est là. Il va falloir que j'essaye de mon possible de garder cette liste à jour. Hein. 907, il est là. 701. Ici. Ah, j'entends les oiseaux chanter. Je ne sais pas si vous les entendez, vous aussi. 647, il est là. Et j'ai du 704 juste là. Voilà. Comme ça. Prochaine gamme de couleurs, on pourrait peut-être faire le rouge. J'en ai plusieurs du rouge, j'ai ça. J'ai ça. Et ça. C'est tout. Ouais. Vous voyez, j'ai oublié deux bleus là. C'est pas grave. Alors, en rouge, 815, 321. Ça, c'est du 666. 6. C'est pas tout à fait pareil. Ce 666 AB, ça tend beaucoup dans le bleu. Et ça, ça tend beaucoup dans le jaune. Donc, je vais les garder séparément. Et là, j'ai un autre 666 qui est bien plein aussi. Hein. Ouais, c'est bizarre. Celui-là aussi tend plus vers le jaune et ça vers le bleu.
On va les garder séparément. Ok. Donc, 666. Ensuite, ça, c'est pareil. 321. 321. Il est où? Il est là. Et du 815. Il est là. Ouh là là, ça rentre tout juste. Ça, ça provient de la boutique DP Wet Sparklers. Elle utilise des sacs qui sont très gros. Là, et ça aussi, c'est du 666. Tout le 666 est en haut. 321. Yeah. Et ben. Ouais, ça passe tout juste. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait revenir dans le bleu. Alors, le bleu, j'avais... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai trouvé ces deux sacs, hein, que j'ai oublié tout à l'heure. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? 138. 138, c'est quoi, ça, en termes de DMC? C'est du 996. Donc, c'est pareil que ça. Mais alors, c'est pas du tout... Regardez ça. C'est pas du tout la même chose, ça et ça. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. C'est pas du tout la même couleur. Ben, la même couleur. Ce sont tous les deux des bleus. Mais c'est pas du tout la même teinte. 4996. Et du coup, ce qu'il faut que je fasse, là... J'allais chercher notre feuille. Comme ça. Excusez-moi pour le bruit. Parce que là, du coup, c'est ça. J'en ai pas mal du bleu. Voilà, et le 796, il est là. Donc, si on continue, on pourrait faire le jaune, juste là. Ok. Parce que le jaune, j'en ai plusieurs. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Et ensuite, tout ce qui est beige. Je pense que... Ah mince, j'ai oublié un vert là aussi. Hein. Je pense que quand on avait fait les ronds, j'avais combiné les beiges et les gris. Parce que beige et gris, il n'y en a pas beaucoup. Et de toute manière, si plus tard, j'ai plus de beige et de gris, je pourrais les séparer. Hein. Donc... Pour le jaune, j'ai du 444. J'en ai pas mal du 444. Hein. Ah, 130. 129, j'ai déjà marqué que c'est du 3078. Et le 130, c'est du 973. Ok, donc j'ai 3 DMC dans le jaune. Alors, 973. Il est où? Il est là. 3078. Il est là. Et le 444. Super. Ouh, j'ai chaud. Je filme mon matinée là. Et il y a un beau soleil dehors. Il fait froid. Hein. En revanche, je crois qu'il fait 0 degré. Mais... Il fait froid. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un vert là? Ouais, le vert il est où? Il est là. Il va falloir que je rajoute une fiche pour le vert. Voilà, la fiche ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du 906. Ah, à moins que j'en ai déjà du 906. Ouais, j'en ai là. Alors, est-ce que c'est le même bain? Parce que si oui, ben, je combine. Ça peine un peu plus pâle. Ok, je vais le mettre ensemble parce que c'est vraiment minime la différence. Minime, minime, minime. Donc, je combine.
Ouais, ça c'est du Diamond Art Club. Je sais pas de quel kit ça provient, ça. Peut-être du... Vous savez, le Randall Spengler que j'ai fait, ça doit venir de ce kit-là. Je pense qu'il y avait du verre à B là-dedans. Ok. Super. Ensuite, ben, je pense que du coup, là, on va faire beige. Parce que le beige, alors attendez, combien j'ai de DMC? J'en ai un, deux. En revanche, ça, je vais le transvider parce qu'on arrive mal à lire le DMC là. J'ai aussi. Ah, 127. Ça, il va falloir que je regarde l'équivalence. J'ai du 3-8. 3-8, 6-4, j'ai deux paquets. Et en gris, j'en ai que deux. Ah, ben vous savez quoi? Je pourrais le mettre dans deux pochettes différentes. Ouais. Alors, ça en revanche, comme je vous l'ai dit, j'aimerais le transvider. Dans des sachets de Evermoment, idéalement. Mais je pense qu'il va falloir que j'en utilise deux. C'est pas grave, ça. Voilà. Et je vais marquer. Donc, c'est quoi comme DMC, c'est ça? J'ai l'impression que c'est du 453. Est-ce que c'est possible? 453? Ouais, Shell Grey, je l'ai sur la liste là. C'est ça. Donc 453. Je vais faire à peu près la moitié et mettre l'autre moitié dans notre sac. Hey, ça coince là. Il faut descendre les amis. Alors attendez, là il me faut des... je les vois qui sont coincés. Voilà, avec la pince. Ça a descendu. Voilà, là au moins c'est mieux. C'est plus lisible. Hein. C'est une jolie couleur ça aussi. Hein. Regardez les couleurs qu'on a là-dedans. Trop beau. Et voilà, génial. Ça rentre dans deux sacs. C'est pas grave ça. Donc le 127, il me faut le DMC qui s'y correspond. Et pour celui-là, c'est le 127, c'est le 819 en termes de DMC. Voilà. Alors, du coup, on a du 819. Je vais reprendre mon retour écran. 819, il est là, tout en bas. 3864, il est là. Et le 453, voilà, il est là. Super. Là, oh, il y a un diamant là sur la table. C'est pas grave. En termes de gris, on va le faire dans le prochain. Et ensuite, on va faire blanc et noir. Parce que blanc, j'en ai pas mal. J'ai des blancs cassés, j'ai des blancs là. Donc en gris, encore une fois, ça, je vais le mettre dans des autres sachets. C'est beau ce 762. Je pense que je l'avais présenté en vlog, ce DMC là. Bella. Donc 762. Ouais, mon plan, ça serait d'avoir tous les AB, hein, un jour. J'aimerais avoir tous les AB qui sont identifiés sur cette fiche-là. Si j'y arrive. Mais en même temps, si... Comment elle s'appelle? Tima. Tima, c'est celle qui...
c'est la propriétaire de DP Wet Smart 15. Si elle a marqué tous les AB sur cette liste, c'est qu'elle doit les avoir en stock. Hein. Je vous mettrai le lien de son site aussi. Si vous souhaitez acheter, elle est aux États-Unis, elle. Il y a quelque chose qui coince là. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit des petits morceaux de cire. Il faut que je le nettoie ce plateau. Il n'est pas très propre. Il y a plein de cire qui est... Enfin, tout en... là où il y a les rainures là. Ah, j'arrive même plus à parler. Ah, ok, donc 762, il est là. Et du 413 qui est beaucoup plus foncé. Il est là. On a bientôt fini. Et je sais pas si j'ai des AB dans d'autres kits en cours. Il va falloir que je regarde à l'arrière. 713, il fallait là. Et pour terminer, on va faire le blanc et le noir. Donc le 310, je vais le mettre un X. Il est où celui-là? Il est là. Black, donc celui-là c'est bon. Mais alors, en termes de blanc, là, on a des blancs cassés, on a des blancs blancs. Et j'aimerais voir qu'est-ce qu'on peut combiner là. Vous voyez, ça c'est du 5200, mais alors ça c'est blanc et ça c'est blanc cassé. Donc je les garde séparément. 141, vous voyez, ça c'est 125, ça tend dans le vert, ça. 141, qu'est-ce qu'ils me disent d'Amenor Club? C'est du 5200, ça. 5200, mais est-ce que c'est pareil que ça? Ouais. C'est très similaire, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, je pense qu'on va le garder vraiment dans ce paquet. Où est mon stylo? Il est là. Je vais marquer 5200. Comme ça. Le 125, c'est du 3756. Ouais, c'est presque du vert, ça. Pour l'instant, je vais le laisser là-dedans, avec les blancs. Et les blancs cassés, on verra plus tard. Alors, ça, c'est du blanc. Qui est pareil que ça, donc je pense qu'on va combiner ça et ça et ça. Est-ce qu'on veut combiner tout ça? Ouais, je pense que je vais combiner tout ça. Et ça, c'est ça, c'est pas du AB, ça, c'est du glow in the dark. Ça, c'est à dire que si vous l'activez à la lumière, alors attendez, est-ce qu'on va essayer de faire ça en caméra? Je vais essayer de l'activer là sur ma lumière que j'ai à côté de moi. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Mais il faut l'activer, ça. Et quand c'est dans le noir, ben ça brille. Non, attendez, j'essaie de l'activer le plus possible, là. Est-ce que vous voyez, ça brille, là? Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu... C'est difficile à montrer en caméra. Mais ça devient vert une fois qu'on le met dans le noir. Il faut que je fasse ça très rapidement en fait. Voilà, vous voyez là, vite fait, ça devient vert. Et ensuite on perd le vert. Donc ouais, on va le garder avec ça parce que j'avoue que ça c'est pas un diamant habituel. Mais qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait combiner? On va combiner tout ça là. Donc je vais prendre mon plateau. Et je combine ces deux sacs et je vais le mettre dans le troisième. Voilà. Parce que moi, ben, ça me sauve de l'espace dans ce système-là. Là. Parce que vous voyez, ça devient plein rapidement. Hein. Ça, c'est déjà pas mal épais. Hein. Voilà. Super. Donc, on a du 5200 et du 3756. Baby... Ah, vous voyez, 3756, ils disent baby blue. C'est pas bleu, ça. Moi, je le vois plus vert.
Regardez, je vais mettre mon X. Et le 5200, il est là. Voilà. Et il y a le noir, bien évidemment. Donc, on va faire tout le 5200 en premier. On va mettre le 125 ici. Et ensuite, on va terminer avec le 310. Et moi, je veux voir en arrière de moi si j'ai des DP en cours qui ont des diamants carrés ben, en cours. Ou que j'ai mis de côté. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour du AB? J'ai ça. Qu'il faut que je range. J'ai ça. Je suis à côté jusqu'à l'armée. Vous voyez, j'ai ça. Ensuite, il va falloir que je regarde dans mes boîtes à l'arrière. Ouais, je pense que c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a trois couleurs. Ça, c'est du 5200, mais ça correspond à ça. Ça correspond super bien à celui-là. C'est pas aussi blanc que celui-là. Ben, je trouve. Hein. Je peux le mettre dans le plateau et voir. Du coup, ça, c'est un pot que je peux récupérer aussi pour d'autres projets. Parce que là, bientôt, ben, quoique, peut-être le temps que vous allez voir cette vidéo, l'organisation des diamants pour la toile de Tamara Laporte va être faite. Je ne sais pas encore. Mais c'est ça, il va falloir que je le fasse bientôt, ça. Alors, c'est ça que je disais. Est-ce que c'est pareil que ça? Ouais, c'est la même chose. Super. On combine. On combine. Là. Ensuite, j'ai un bleu et un rouge. Bleu et rouge. Rouge, il est là. Ça, c'est du 666. Je me demande d'où ça vient, ça. Je reconnais pas le l'étiquette. Alors, est-ce que... Non, c'est beaucoup plus flash ce que j'ai dans le plateau. Pas pareil que ça. C'est pas pareil non plus. Peut-être que ça va être pareil que ça. On dirait de l'acrylique AB, ça. Ça, c'est de la résine AB et ça, je pense que c'est de l'acrylique AB. Ouais, c'est la même chose, ça et ça. Donc, je combine. Voilà. Pot de récupérer et finalement on a celui-là, ce petit bleu 3841. Alors est-ce que c'est un DMC que j'ai déjà? Oui, j'en ai. Et est-ce que c'est la même chose? Ouais, c'est la même chose. Je pense que pour une petite quantité comme ça, pardon, je vais pouvoir le mettre là-dedans. Le sac va être bien, bien plein du coup. Voilà. Ah, le classeur est abîmé là. J'ai même pas capté ça. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors... Voilà, tout est fait. Ça aussi, je peux le récupérer du coup. Et au fur et à mesure que je vais acheter des AB, je vais mettre à jour cette fiche qui est juste là, là que j'ai fait avec vous aujourd'hui en vidéo. Mais vous voyez, il y en a encore plein que j'ai peint. Donc c'est cool. Comme j'ai dit, j'aimerais tous les avoir, mais je vois déjà que là, c'est pas mal plein. Hein. Ça devient épais assez rapidement en fait. Donc voilà. Voilà. Et ça, du coup, je vais le garder ici en tout temps.
Comme ça, j'ai pas besoin de la chercher à chaque fois, elle est là. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de vous mettre des liens sous la vidéo, donc les liens vers les groupes Facebook que j'ai mentionnés, le lien vers quelques boutiques qui vendent des AB. Mais si jamais vous remarquez qu'il manque des liens ou que vous voudriez avoir d'autres liens, laissez-le moi savoir dans la section des commentaires et moi je pourrai les ajouter en barre d'infos. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser aussi en commentaire. Vous pouvez toujours m'envoyer un email si jamais moi ça va me prendre plus de temps à répondre aux questions. Donc c'est ça, l'email est toujours là. Et voilà, mais on a terminé avec cette vidéo. Donc je suis contente, elle dure à peu près 40 minutes. Donc on a fait tous les ronds AB, tous les carrés AB. Et du coup, prochaine vidéo, je pense qu'on va passer aux strass. Parce que les strass, pour que je vous montre un peu qu'est-ce qu'on a là, en termes de strass, je vais fermer ça. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire. Il est un peu poussiéreux. Vous voyez, j'ai 100 strass que j'avais unboxé dans un vlog. Mais du coup, il va falloir que je les mette en petits sachets. Mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. J'ai 100 strass. Mais ça, c'est plus pour le rond. Ensuite, je vais avoir strass carré, strass rond. Vous voyez tout ça là. Il faut que je trie tout ça. Ça, je ne sais pas si j'aurais dû le mettre avec le AB. Peut-être que je vais le mettre avec le AB, celui-là. Je l'avais reçu avec mon Lola Rose. Ensuite, ben, forme spéciale. Ça va être une série de vidéos encore parce que j'en ai une tonne. Ça, ce sont des aimants. Benz. Des trucs que je dois convertir en aimants. Et regardez tout ça, là. Ouais. Il y en a plein. Et pour cela, j'ai même pas les DMC. Donc, il va falloir que j'essaye d'agencer. Donc, ça va être du boulot, tout ça. Mais moi, ça va me motiver, du coup, à le faire en vidéo. Hein. Parce qu'il faut que ça soit fait. Donc, voilà. Voilà plein de trucs qu'il faut que je fasse. Donc, pour ceux qui aiment regarder ce genre de vidéo, ben, c'est ce qu'il va y avoir les semaines où... où j'ai le temps de filmer, parce qu'il me faut du temps le week-end pour filmer ça. Il me faut en général une heure à peu près, voire plus. Donc, comme je vous l'ai dit, les revues vont toujours prendre une priorité sur ce genre de vidéo-là. Mais au moins, vous savez qu'est-ce qui va venir sur la chaîne plus tard, quoi. Donc, voilà. Ben, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos de la semaine. Bye bye!